c'est comme deux verres de champagne tout de suite. Ça monte à la tête, c'est piquant. C'est pas quelque chose qu'on va s'endormir avec. C'est pas un instrument qui endort les gens. Comme l'instrument à l'origine, c'était assez basique. Une caisse de résonance avec une manche. Ça, c'est comme un tambour. Il y a un cercle en bois sur lequel on a des crochets qui restent sur un pot qui est tendu pour faire résonner le son des cordes qui passent sur un chevalet à partir d'un cordier. Après, on joue les notes sur la manche. Et il y a les mécaniques pour tendre les cordes pour les accorder. J'ai mis un petit quelque chose derrière, un petit souris que j'ai piqué à mon fils. Ça tempore un petit peu le pot. C'est moins criant. On voulait un banjo sur scène, des choses comme ça, qui était plus fort, encore plus fort. Donc, on arrive à ça. Alors, ça devient un autre animal. On a cette sorte de parabole qui se met derrière, qui projette le son en avant, sur le bois, mais du métal, pour que ça résonne encore plus. Donc, c'est plus fort, mais c'est aussi beaucoup plus lourd. C'est devenu vraiment le banjo qu'on connaît maintenant grâce à Earl Scruggs qui a mis ses onglets en métal sur les deux doigts et en plastique sur le pouce et commence à rouler les doigts à la place de frapper. L'histoire du banjo est liée à celle de l'esclavage aux États-Unis. Les esclaves, venant d'Afrique de l'Ouest, emportent avec eux un instrument, les contings, qui devient petit à petit le banjo. Avant que ça devienne un banjo, c'était un gourde avec un pot d'animal cloué dessus, avec des cordes et une manche. Au 19e siècle, dans les minstrel shows, des acteurs blancs se moquent des Afro-Américains, en se noircissant le visage et en jouant du banjo sur des mélodies grotesques. Ces spectacles, remplis de préjugés racistes, accroissent indirectement la diffusion et la popularité de l'instrument. Puis, au 20e siècle, le banjo profite d'une industrie en plein essor, celle du disque. Les premiers disques, c'était enregistré avec une cornet, avec les gens qui hurlaient dedans. Un instrument qui passait très très bien, c'était le banjo. Comme c'est puissant, ça enregistrait bien. Parce que ça amplifie, c'est quelque chose qui amplifie lui-même. Mais l'émergence des guitares amplifiées contribue au recul du banjo. Dans les années 1940, un nouveau style va ramener le banjo sur le devant de la scène. La country et sa version bluegrass. La musique bluegrass, ça existait depuis les années 40 grâce à un monsieur qui s'appelait Bill Monroe qui avait formé un groupe, Bill Monroe and his Bluegrass Boys, parce qu'il venait de Kentucky. Aux États-Unis, c'est connu comme the Bluegrass State. En fait, c'est le nombre d'herbes qui poussent partout en Kentucky. Alors la musique avait un certain pep qu'il n'y avait pas avant. Des banjos qui jouent très très fort, très vite. Les gens, ils écoutaient ça sur la radio, ils disaient « Ah, mais je veux ça !» C'est la radio aussi qui a fait disperser cette musique partout. Le banjo est alors adopté par une population blanche, récemment immigrée, et l'instrument devient l'emblème d'une population rurale. Grâce notamment au cinéma, le banjo acquiert une renommée internationale. Après, on a exporté cette musique, disons, américaine. Quelque chose qui a fait beaucoup réveiller les gens, c'était le film Deliverance. These are the men. Nothing very unusual about them until they decided to spend. Oui, il y a cette fameuse morceau. Combien de temps ça prend d'accorder un banjo? On ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'on appelle son banjo au fond d'un lac? Un bon début. Qu'est-ce que c'est les différences entre un oignon et un banjo? Personne pleure quand on découpe un banjo. La différence entre un trampoline et un banjo. On enlève les chaussures pour sauter sur un trampoline. Ok, d'accord. C'est une petite spécialité de banjo d'avoir ces notes qui glissent comme ça. Un peu de boogie ou rock and roll. Pour changer le son sur le banjo, on a tendance souvent à jouer par là pour que ça soit fort. Et puis après, quand on accompagne par exemple le chanteur, on va jouer plus par ici, où c'est un peu plus doux. Je vais jouer dans un style qui s'appelle clawhammer, comme le marteau qui a les deux pics derrière. J'utilise le doigt
pour jouer les mélodies et le pouce. Chaque instrument a sa difficulté. Le banjo, c'est surtout une coordination entre les doigts et les cordes pour faire les mélodies. Donc c'est très complexe pour ça. Chercher les mélodies, de taper les bonnes cordes, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors il y a une satisfaction juste d'arriver à faire des choses. J'ai gagné quelque chose, j'ai arrivé à quelque chose. Et après, quand on fait des choses aussi avec d'autres gens, c'est le plaisir de jouer en groupe. On peut jouer le banjo tout seul, c'est fantastique. Mais de jouer avec d'autres et savoir comment faire avec d'autres, c'est 10 fois mieux. It's been a hard day's night.